Bonjour. Coucou les copinous. Surprise. On a une surprise pour vous. On est quel jour aujourd'hui? 22 mars. Le 26. Jeudi 26 mars. Et nous avons une surprise. Attention, t'es prêt? 3, 2, 1. Tada! Notre il faut qu'il tousse à ce moment-là. Nous avons récupéré notre crapaud national. Ouais. Bonjour les amis. Du coup, je me mets dans la salle de bain, assis sur mes toilettes, pour pouvoir introduire ce vlog dans le calme et la tranquillité. Du coup, hier, on est parti chercher Osayan avec ma mère. Donc j'avais préparé toutes les attestations qu'il fallait. Et j'ai dit, ouais, non, faut qu'on y aille maintenant, parce que avant que ça soit vraiment trop tard et qu'on puisse plus du tout sortir ou va savoir ce qui va se passer. Voilà, fallait qu'on aille le chercher. Parce que bon, ça fait déjà 3 mois que je ne l'ai pas vu. Hein, donc là, si on laissait encore attendre et qu'il fallait que je le récupère après le confinement, après l'école, on ne sait pas quand est-ce que ça reprend, tout ça. Donc limite, j'en serais arrivée à ne pas voir mon fils pendant 6 mois. Donc ça, c'est hors de question. Hein. Donc j'ai dit, bah, tu sais quoi, on va le chercher, et puis voilà, il nous arrivera rien, il nous est rien arrivé. On s'est fait contrôler une fois sur la route, donc les gendarmes, on aura juste montré l'attestation, il n'y a pas eu de soucis. De toute façon, on a tracé, on s'est fait 12 heures de route, aller-retour non-stop, on n'est pas descendu de la voiture, on a croisé personne, il n'y avait personne sur les routes, de toute façon. On s'est arrêté une fois sur une aire d'autoroute pour manger notre petit sandwich et se dire gourdir les jambes, faire pipi, mais il n'y avait personne. Et du coup, voilà, je suis trop contente parce que bah, j'ai récupéré mon petit crapaud d'amour et que, bah, au moins, il sera confiné avec nous, hein. Voilà. Parce que, bon, déjà qu'il n'y a pas papa, pour nous, c'est dur. Alors, en plus, là, ça fait 3 mois qu'il n'avait pas vu son frère. Il commençait à beaucoup lui manquer. Donc, là, au moins, ils sont contents. Ils sont tous les deux, ils jouent. Moi, je suis contente aussi, voilà. J'ai récupéré mon crapaud et du coup, bah, il reste avec nous au moins jusqu'à la fin du confinement. Et voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars? Peinture. Ouais. On est en train de se faire une petite liste de ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez être impressionné par mes talents artistiques. Impressionné par tes talents artistiques? Mais j'ai déjà fait une statue de profil et dans le détail. Sinon, on a marqué faire des décorations de Pâques. Parce qu'on va sûrement faire la chasse aux œufs de Pâques dans la maison. Hein? Dans la maison ou dehors? Dans la maison. Confinement, monsieur, confinement. Non, bonjour, tu entends le B. Alors, bébé, combien de fois t'entends le B? 2 fois. Alors, tu colories les 2 fois. Lavabo. Bien. Non, pourquoi tu colories les 2 fois ici? Tu l'entends où le B là? Tu l'entends dans la, va, beau. Tu l'entends qu'à la dernière. Donc tu dois colorier que la dernière. Dans bébé, tu entends 2 fois le B. Au début et à la fin. Alors tu colories les 2. De la couleur que tu veux, bien sûr. Dans bus, tu l'entends où? Au début, au milieu ou à la fin, le B? Voilà. Et dans... Il en manque une, là, sur oiseau. Non, c'est bon. Chaussures. T'as fait quoi, là? Bah, c'est fait le sol. Cheval, voilà. Dis-les à haute voix les mots. Pomme. Bah, pomme. Moi j'entends qu'une seule syllabe dans pomme. Mais à la fin, au début il y a pas. À la fin il y a pomme. M. Ah d'accord. Alors c'est 2 syllabes. Je me rappelle plus, moi c'est loin pour moi la maternelle. Hein. Ouf, je me rappelle plus compter les syllabes, comment ça se passe. Est-ce que c'est 1 syllabe, pomme, ou est-ce que c'est 2 syllabes? Ouais, cheminée.
Toi, tu dis ma sœur. C'est quoi ça? Guitare. Et ça? Fenêtre. Vous savez tout. Attends, mais je crois qu'il y en a trois là. Fenêtre. Non, fenêtre. La fenêtre, du coup. Fenêtre, parce que si il manque le troisième, ça fait fenêtre. Bah ouais, c'est pour ça. Fenêtre. Maîtresse, au secours. Je sais plus comment on compte les syllabes. Salut les lamandes, bienvenue à tous sur notre chaîne pour ceux qui n'ont jamais regardé notre chaîne. Osayan. Bonjour Osayan. On a bientôt gagné, c'est fait 6. Nous sommes très heureux de te retrouver parmi nous, Osayan. 1, 2, 3, 4, 5, pour une petite partie de Gulli. Non, on l'a fait. C'est le grand quiz Gulli. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui perd, Noah? Il doit dire oui à tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un vert. Alors, question verte. C'est moi qui te la lis. Vrai ou faux? Pour être en bonne forme et bien grandir, il est déconseillé de faire du sport. Faux. Bah oui, il faut faire du sport pour être en bonne santé. Allez, tu relances le dé et t'avances. Deux. Faire un. Et les gars, je veux pas dire, mais moi je suis le violet et je suis en train de les gagner à leur propre jeu de Gulli. Pa pa la pa 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 pa. Papa la papa papa, maman c'est la plus forte. Je vais vous gagner même si vous vous êtes mis tous les deux contre moi. T'es moche. Et toi tu pues. Bon, partie interrompue pour cause de Noah Kenai qui fait sa mauvaise tête et qui a jeté le dé par terre, on ne sait où, on ne le retrouve pas. Merci Noah, le mauvais perdant. Alors à la classe, on va devoir jouer à Dis-oui-dis-donc. Alors on a fait des petites poules de Pâques. Pourquoi tu m'as mis la queue alors que ça avait fait la queue avec les yeux? Bah alors les garçons, ils ont voulu faire des poules extraterrestres. Avec plusieurs yeux et tout, voilà. Parce qu'en fait, alors Osayan me dit... Moi c'est une poule dinosaure. C'est une poule dinosaure? Ah ouais, trop génial. Elle est trop cool. Parce qu'en fait, Osayan, il me disait « Maman, une poule, c'est pas assez original. » Et j'ai dit « Bah, t'as qu'à la rendre originale. » Et du coup, ils m'ont fait des poules extraterrestres. Et ouais. Là, Osayan, il a... Une poule poilue, une poule yak à quatre yeux de l'espace. Voilà. Et du coup, Osayan, il est en train de faire un quoi? Un anti-ennui. Je ne sais pas à quoi consiste un anti-ennui. Est-ce qu'on peut aussi à éviter de s'ennuyer? Et on verra ça là, plus tard. Il y a plusieurs applications. Moi, je viens d'aller vite fait au tabac et ils ont mis plein de petites activités pour les enfants. Je trouvais ça trop mignon. Du coup, j'ai pris une espèce de mousse qui est trop bizarre. Ça bouge tout seul. On dirait que c'est rempli de petits vers de terre ou je sais pas quoi. Regardez les amis, quand on appuie, regardez ce que ça fait quand on appuie. Attends, vas-y, on n'a pas bien vu. Refais. Ok. Ça bouge tout seul, c'est trop bizarre. Regardez, ça aplatit. Ça bouge tout seul. C'est trop chelou, c'est quoi ça? Tu veux essayer, Osayan? Bon, je viens d'aller sortir le chien, deuxième fournette du jour. Je rentre, je suis en train de ranger le bordel que Noah m'a mis. Entre temps, le chien avait pissé sur le meuble. Avant que je le sorte. Là, j'arrive. Taïro, tu fais attention, hein. Là, je viens de te sortir, hein. Tu recommences pas. C'est la première fois de sa vie qu'il me pisse sur un meuble. Peut-être qu'il commence à être un peu stressé par le confinement, lui aussi. Pas possible, hein. On n'a jamais fait ça. Entre-temps, je range le bordel de Mister. Il me renverse de la compote partout par terre. Alors que j'ai lavé mes selles aujourd'hui. Tout va bien. Ne pétons pas un câble. Ne pétons pas un câble. Entre temps, il m'a laissé le frigo ouvert. Ouais, bonjour. Non, mais là, va falloir se calmer, mon gars, parce que là, je vais pas rester calme. J'ai pas le temps de débarrasser la table. La table qui est cette partie-là, c'est pour bouffer. Cette partie-là, c'est pour travailler. Non, bonjour. C'est pour grand n'importe quoi.
respirons, restons zen. Restons zen. Il y a des choses prioritaires. Oui. Oui. On va dire que des fois, il faut lâcher un peu la grappe sur le ménage. Si on se prend trop la tête, on ne survit pas. Regardez, les amis se montent allongés. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Non, ils vont pas te voir. Pourquoi? Je te punis de vlog. Je te filme même plus. Comment tu fais des bêtises? Non, c'est ta punition, tu seras pas filmé pour avoir fait plein de bêtises. Et renverser ta compote par terre. Ok, bah si. Et mis le bazar dans le salon. Tiens. Tiens, si tu me filmes pas. Voilà. Tiens, ça t'apprendra si tu me filmes pas. Ah, et j'ai encore cette pile de linge à ranger. Regardez les amis, on a un nouveau chien Père Noël. On a un nouveau Osayan. Bonjour Osayan Tairo. Vas-y, souffle, 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 fort, 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 fort. J'avais vu. Mais faut pas respirer l'air. Coucou les amis, ça va? Noah, qui ne se sentait pas assez confiné, a décidé de se faire une petite maison. Ouais, non, ça va, ouais. Ça va, t'es bien là-dedans? Ouais. Ah, t'as tout tes jouets? C'est pas assez confortable. Il faut une plus grande maison. Ah. C'est pas assez de place. Bon, ben on va vous laisser pour ce soir, les copains. Mais elle est complètement pourrie, ta vidéo. C'est même pas un court-métrage. Mais qui t'a dit qu'on faisait des courts-métrages? On fait des vlogs. Mais qui t'a dit? Mais pourquoi tu veux juste dire bonjour d'abonner avec cette vidéo? Franchement, il... Mais pour clôturer le vlog. C'est la vidéo la plus barbante que j'aurais jamais vue. Ça fout. Ça fout. C'est la vidéo la plus barbante. Non, ouais, mais d'accord. Vous voulez du suspense? Vous voulez un peu de suspense? Vous voulez du crotte? Vas-y, fais-nous du suspense. Non, mais au secours. Bon. Bonne nuit, les gens! A bientôt pour de nouvelles! L'aventure! C'est dur de marcher avec le téléphone! Attention dans les escaliers!